il y avait une affaire qui était sortie, affaire Zawadi. Eux, les lots, toujours ma version ébélée, mais yo moti lelo au pesabiso version de fait na yoti. Il faut toyoka. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pour nous clôturer, confession solo. Ozolo ka se confesser à la conférence non, non, de presse. Non. Il y a comprendre ya komi. Comment on doit répondre? À quoi répondre? Alors, pour poser question à Yasuka. Na Yasuka. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit. Alors, il y a un phénomène, phénomène stade de martyr. Il y a un baptiste et tout. Il y a un moukili, il y a un zambé. Tout le monde rêve stade de martyr. Est-ce que stade de martyr, il y a un fake news, il y a un stade de martyr. On va vous expliquer, puis il y a une date nini. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trois questions. Première question. Je prends peut-être là. Je commence par la précédente. Vous avez cité le nom d'une dame tout à l'heure. En même temps, vous me parlez de la confession et vous me parlez aussi du pardon. J'aimerais nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis de la presse. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ces dossiers, que vous ne connaissez pas. Un bon matin, Nasakiga ras-le-bol, moi j'ai dit, en tout cas, je crois que je vais en découdre aujourd'hui. Je vais vraiment éventrer les bois. Je crois que nous avons également le devoir de mutuellement Yakoyo Kanaka. Quand il y a un conseil, par moment qu'on t'a la paix Koyo Kanon, surtout quand c'est fondé. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moi nu. À ce niveau où je suis, je vous dis, cher ami, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça a tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer, toutes les mensonges de la méchanceté. Écoutez, on m'a collé même un truc vaseline. Écoutez, s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison, j'avais de la vaseline. Je vous dis, dans ma maison, j'avais de la vaseline. Bon, Mike, tu avais un bébé dans la maison. Je vous dis. Une fois, je l'ai dit à quelqu'un, la deuxième fois que j'ai vu la vaseline, c'est quand mon chat est encore bébé. En tout cas, j'avais la vaseline dans ma maison. De bêtises. Alors, à un moment, je me suis dit, et ça c'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit, c'était vraiment un ainsi dit l'Éternel, je me devais de m'incliner à la volonté de Dieu. Je me suis retiré, tout simplement parce que je pouvais voir même des vidéos compromettantes, des figures que je ne connais pas, des gens, ça et là, on dit c'est Mike. J'ai dit, ah bon, ça c'est moi? Ok, merci beaucoup, ça c'est moi. J'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit, qui est un papa nu. Il y a eu, où est passée la grossesse? Les jours, Gabana, au moins Nazo tcha frein. Je pense que ce n'est pas le cadre. Restons quand même dans Dieu et tout Dieu en Dieu toutes en circonstances. Toute circonstance. Merci, et quelque pasteur. Part, c'est comme si je commençais à prendre tout cet événement où mon Dieu les mélangeait avec les hommes et aussi de cette nature-là. Excusez-moi, je crois que au
au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sur la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabana. Quant au stade de martyr, Gabana, mon tout premier concert en public, je l'ai annoncé au stade de martyr, c'était en 2009. Il y avait un vieux à moi qui était administrateur du stade à l'époque, il est pasteur. 2009, il était parmi les administrateurs. Il nous avait rassuré que tout allait bien, tout ça là. Nous sommes allés au stade pour faire une avance. Et quelques temps après, il y a un joueur footballeur, je cite son nom, Chabani Nonda, je pense, qui est venu, qui a fait un don de la pelouse synthétique au stade de Martyr. Et tout de suite après, un décret est tombé, tel que le stade, Maram Église, les sous-sous-là, va concerter. Stade de Tiralia, Ndembo. Et depuis lors, le Cameroun est tiré à la bombe. Et finalement, la première publicité qu'il a annoncée, les amis de Pasteur Boana à l'époque, comment ça s'appelle, Lingala Facile avec Kouloutou Natsou Zakari Babassoué, le tout premier spot a annoncé cela au stade de Martyr. Et après, Tomonika Toubanassou Libana Tokena, triomphal, méga célébration, c'était un certain 5 décembre 2009. Les jours, ce jour-là, ceux qui en ont le souvenir, quand j'ai vu ce public-là, il fallait que tu aies un zungul. Vous pouvez avoir les images. Le podium était vers Georges Simenon. Les gens étaient presque jusque je ne sais pas où là. Alors, pour moi, je m'étais dit que c'était une partie remise. Mais il y a un problème ici, on doit se le dire. On va au stade de martyr, pourquoi? Parce qu'il fallait pour pas remplir le stade de martyr. C'est quoi notre motivation quand on va au stade? Parce que cette histoire, stade de Fanagi Kimia, en tout cas, va déplacer qui stade d'autre. Aïe! Bana poto, bana à Paris, bana à Mokil Mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T. Surtout que, bazalina ba service ya elengi. Awa soro koti. Bazalina plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye. Awa ba vandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'africain. To européen. Kasi. Pour nos Congolais, Fanda na onye po awa, okolia po kukata musapi. Yom ton gosse sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyomo koboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba Fandi sa masolo tu, joli kitoko na service ya qualité. Pour na bilubu elamba maka awa, yom ton gosse la emporte. Ndengo sali commande, kaka sikoyo, balambelio, maramoro mbalamoko, pe oziangoza mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir de 8h Ngingo, Ozamo Bimba. Oyo, adresse Nango et Zouamina 4ème rue. François, Villon, 94 230 Cachan. Pour un abattoir, Oyo, on y bosse là. Commande, ton réservation, ou quoi que benga na numéro de téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Tchon Masker. Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde Fandi Sibi Lubutu. Awa Nakati ya Paris. Pena Mokil Mobimba. Et Okan. Tu n'as jamais que Longwe entre Kassavizawa Kominini. Entre Kinshasa. Et Lingwala. Et Longwa qui te ou et Komina. Na Selembao. La place de Zagwana. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis un temps, tout le monde a les yeux grandement ouverts sur le stade? Parce qu'il fallait passer par là. Parce que l'héritier est passé par là. Vous voyez, par moment, il faut total bien motivation à Bissot. Je pense que Jésus doit rester le centre de nos motivations. C'est-à-dire, nous allons au stade
pour la gloire de Dieu. Donc, il y a un stade de parce que on doit se tirer de temps sur l'exemple de Batouké. Non, on a peine à rouler ta stade. Et très généralement, Bablo Roussa de Marbongo, écoute, on a gagné moi, Ndindon et Nzambi. Voilà. Alors, je pense que, au moment venu, nous vous reviendrons. Est-ce que vous avez entendu que vraiment, je vais vous dire, pam 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 tuku tuku tu et wo so ozo c'est à dire tant et wo c'est à dire on dirait bu ya mazembe sangana na ya renaissance de sorte que mazembe mon esprit ya stade. Ah oui, au moment venu ça viendra. Merci beaucoup. Solution les amis. Et pas y'a Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vionne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement, au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25, rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vingui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93. Double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vingui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.